Suivi lecture, comme d'hab, c'est un petit peu éparpillé et vous me voyez pas très souvent puisque je ne lis pas énormément. On est le jeudi 22 août, il est 17h38. Je reviens quand même vous parler puisque je suis arrivée à la moitié de mes deux lectures en cours, donc ma lecture papier et ma lecture audio. Avant, je vous mets une petite photo ici pour vous montrer le contenu de la box surprise du Disney Book Challenge qui a été gagnée donc par Alice. Puisque vous avez vu dans les rushs précédents, je préparais la box. Donc en fait, qu'est-ce que je lui ai offert? Déjà, le livre qu'elle avait choisi. Un roman sur la belle-mère de Cendrillon, sa version. Un carnet de coloriage par rapport à la méchante reine de Blanche-Neige. Un manga par rapport à Cruella. D'ailleurs, le manga me faisait super envie. Et j'ai également pris un mug sur Jafar. Donc en fait, on a Jafar qui dit qu'il est extatique. C'est une de ses citations dans le dessin animé. Et bien sûr, j'ai mis les marque-pages et des bonbons. Donc Alice était super contente, moi aussi, que ça lui fasse plaisir. Donc voilà, au niveau de la box du Disney Book Challenge de l'année 2024. Concernant mes lectures. Alors, pour ma lecture papier, qui est donc 10 ans Noces de sang de Alice Finet. Donc en fait, je peux maintenant vous en parler, j'en suis arrivée à un tout petit peu plus de la moitié. On suit en fait Adam et Amelia qui sont mariés depuis donc 10 ans. Le couple, on sent quand même qu'il y a une certaine distance, enfin il y a des choses qui ne se disent pas. Et il se trouve qu'Amelia, elle a gagné via son travail un week-end à un endroit particulier, un petit peu paumé avec de la neige. Et c'est une espèce de cottage, en tout cas une espèce de nuit insolite dans une ancienne église, une ancienne bâtisse. Et donc le couple va y aller, ça va être l'occasion eh bien, de se dire certaines choses et potentiellement peut-être de se rabibocher puisque Amelia sent qu'il y a un certain éloignement puisqu'Adam en fait il est écrivain, il arrive aussi à choisir des romans pour des films et il rêve lui que son propre roman soit eh bien, adapté au cinéma. Donc il est beaucoup dans tout ce qui est cinéma, popularité. Et on a à côté Amelia qui, elle, travaille dans un refuge pour animaux et qui a du mal un petit peu à trouver sa place. Elle trouve que son mari, en fait, est plus dans son travail que dans son couple. Et en fait, Amelia, on se rend compte qu'elle lui a écrit chaque année par rapport à leur anniversaire de mariage une lettre qu'elle ne lui a jamais remise. Et on voit au fur et à mesure des lettres qu'il y a plein de choses quand même qu'elle ressent vis-à-vis de lui presque un peu de la méchanceté et qu'elle ne lui a jamais avoué. Et au moment où ils arrivent dans cette espèce d'église, ils se rendent compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Coupure d'électricité, leur chien disparaît, enfin voilà. Plein de choses un peu bizarres et on sent quand même que aussi bien l'un que l'autre, il y a des choses qui se disent pas. Et il semblerait qu'ils ne soient pas arrivés dans cette destination pour rien. Quelqu'un semble les avoir observés et voulait volontairement qu'ils viennent passer un week-end tous les deux dans cette chapelle qui est donc en Écosse. Donc pour le moment, écoutez, c'est pas mal. Je dirais pas que c'est transcendant. Je m'attache pas du tout au personnage, pour être honnête. Après, je suis quand même curieuse de savoir comment ça va tourner parce qu'il y a quand même une tension hein, qu'on sent vu qu'ils se mentent les deux. On sait pas trop qu'est-ce qui se cache depuis le début. Mais par contre, voilà, j'ai pas d'attachement pour les personnages, donc affaire à suivre au niveau de mon avis sur cette lecture. Concernant ma deuxième lecture, qui est donc ma lecture audio, donc Maléfice, le tome 3 de la trilogie du mal
de Maxime Chatham, donc j'en suis arrivée aussi à la moitié. On retrouve dans ce roman le privé Joshua Brolin qui va également enquêter avec Annabelle qui est une flic, donc deux personnages qu'on a déjà trouvés dans des précédents tomes. Le duo fonctionne parfaitement bien. Là, ils vont intervenir sur une histoire un petit peu bizarre. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes arachnophobe, évitez ce roman, parce que clairement, la couverture l'indique, hein, on est sur les araignées. J'ai l'impression qu'il aime bien les insectes, hein, Maxime Chatham. Et là, en fait, on retrouve des personnes, surtout des femmes, qui sont dans des espèces de cocons d'araignées, dans des arbres. Et c'est assez bizarre parce que, théoriquement, on ne peut pas exploiter plusieurs araignées pour qu'elles tissent des toiles et donc réutiliser cette toile d'un point de vue militaire comme ça a déjà voulu être fait. Donc il ne peut pas y avoir d'élevage d'araignées pour ça. Mais sauf que là, la taille des cocons pour envelopper une personne humaine, il faudrait que l'araignée soit vraiment énorme. Donc ça fait un petit peu peur, on se pose des questions. Surtout que les victimes sont retrouvées sans poils, complètement imberbes, et elles ont tout un trou dans la gorge, donc on se pose des questions. Et c'est des femmes qui disparaissent en pleine nuit, leurs maris n'ont rien entendu, rien vu. Ils se réveillent le matin, il n'y a plus leurs femmes, elles n'ont pas pris leurs affaires. Donc pour eux, c'est tout de suite, elles ont été enlevées, et on les retrouve donc dans des cocons d'araignées. Donc on va être sur une enquête vraiment tournée autour des araignées. À savoir, est-ce que c'est juste des araignées voilà, qui sont tueuses et qui sont avec une araignée qui aurait été modifiée biologiquement, ou alors est-ce que c'est un fou qui fait joujou avec des araignées, on sait pas trop. En tout cas, l'histoire elle est vraiment prenante. Moi je suis pas forcément à l'aise avec les araignées, c'est pas mes copines, elles ont pas un physique facile, je sais, hein. C'est un peu comme les requins, c'est des animaux et des insectes, les pauvres, qui ont pas choisi d'être effrayants ou moches. Mais du coup, bah, ils sont repoussants et moi, les araignées, j'ai du mal. Alors des fois, je leur parle en mode « Je suis désolée ma copine, mais il faut que tu dégages de là. » Enfin, j'essaie de leur parler en mode pour avoir moins peur. Oui, oui, je parle avec les araignées, je vous jure, je communique avec elles. Mais c'est plus en mode « Si tu pouvais partir pour pas que j'aie à te tuer parce que j'ai pas quand même envie de les buter, mais juste dégage de chez moi, ça serait bien. » Voilà, parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ces insectes alors que bah, ils y peuvent rien, c'est leur physique. Elles n'ont pas choisi d'être comme ça, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est livre d'horreur, film d'horreur, c'est soit il y a des araignées, soit il y a des clowns, des trucs comme ça, et forcément, bah, après on flippe de ces choses-là. Mais vraiment, pour le moment, j'aime bien cette histoire, je suis curieuse de voir la fin, et comme ça, bah, j'aurai terminé cette trilogie de Maxime Chatham, qui franchement, jusqu'à présent, m'a bien plu. De toute façon, Maxime Chatham, maintenant, moi, c'est une valeur sûre pour les livres d'horreur. Quand on dit que c'est le nouveau King, c'est pas faux. Il a un petit aspect comme le King, mais à l'inverse du King, il est moins dans la description lourde, et on sent qu'il a potassé son sujet, qu'il s'est renseigné avant de nous pondre certains éléments de ses romans. Donc vraiment, pour le moment, j'apprécie beaucoup cette lecture. Je m'arrête là au niveau de cette intro. Je reviendrai vous parler, je pense, quand j'aurai fini mes lectures, ou si j'ai d'autres choses à vous dire, donc je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 21 septembre, il est 9h41. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris dans ce vlog suivi lecture, puisque clairement je ne lisais pas beaucoup, vu que là j'arrive vers la fin de la grossesse. Vous avez pu le voir, j'ai fait surtout des vlogs grossesse, mais c'est vrai que la lecture, bizarrement, je pensais qu'en étant en congé maternité, c'était là où j'allais lire le plus, et en fait pas du tout, ma tête elle est tellement prise dans d'autres choses, je suis tellement sur le qui-vive que je ne lis pas forcément, mais je reviens parce que ça y est, je ne sais pas ce qui s'est passé, en l'espace de 2 jours, j'ai terminé et ma lecture papier et ma lecture audio, et j'ai également entre-temps regardé pas mal de films, donc on va parler un petit peu de tout ça, un conseil, prenez quelque chose à boire parce que à mon avis j'en ai pour un petit moment, c'est parti. On va commencer sur les lectures, donc au niveau de ma lecture audio, j'étais sur Maléfice de Maxime Chatham, donc c'est le dernier tome de sa saga, la trilogie du mal. Et ce dernier tome m'a déçue, j'avoue. Je vous avais dit au début de ce vlog sur lecture que c'était intéressant parce qu'on est sur les araignées. Donc tous les arachnophobes, bon courage si vous lisez ce dernier tome. Puisqu'ici, en fait, on a l'inspecteur, le privé Brolin, qui va travailler avec l'inspectrice Annabelle O'Donnell. Donc toujours le duo de choc qui fonctionne vraiment bien au niveau de cette saga. Et ils se rendent compte, en fait, qu'ils retrouvent des femmes emballés dans des cocons géants d'araignées. Donc déjà, pour avoir des cocons, on sait, aussi géants, il faudrait que l'araignée soit immense, fasse presque la taille d'un être humain quelque part, donc ce qui est assez effrayant, et on se dit que ça n'existe pas, des araignées comme ça. Ou alors c'est une personne qui élève vraiment
toute une armée d'araignées pour faire ce cocon. Et ces femmes sont retrouvées complètement imberbes et elles ont tout un trou géant dans la gorge et en même temps leur visage est figé dans l'horreur. Donc on a cette première histoire entre guillemets, et on a une deuxième histoire qui vient se greffer aussi dans cette enquête où il y a beaucoup de personnes dans des foyers qui se font piquer par des araignées sans raison et qui se retrouvent donc à l'hôpital, certaines en décèdent, certaines survivent heureusement. Mais voilà, on a une histoire d'épidémie d'araignées, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, eh bien, le privé Brolin ainsi que l'inspectrice Annabelle O'Donnell vont tout faire pour essayer de savoir si est-ce que c'est juste une épidémie d'araignées, une personne a ramené une araignée d'un autre pays et puis bah il y a une invasion. Ou alors est-ce que c'est pas l'objet d'un serial killer qui s'en prend uniquement aux femmes au niveau des cocons et elles disparaissent en train de dormir à côté de leur mari, le mari ne se rend compte de rien. Donc moi franchement ce tome-là j'ai été déçue. C'était une lecture sans plus. C'est pour vous dire, pourtant Maxime Chatham, moi jusqu'à présent, c'est soit j'ai passé un bon moment, soit même ça a été un coup de cœur. Là, malheureusement, ça l'a pas trop fait pour diverses raisons. Déjà, je trouve qu'il y avait des longueurs. Je trouve qu'il y avait moins d'action que dans les tomes précédents. Le point positif, c'est qu'encore une fois, on nous peint un peu l'horreur humaine et encore que l'histoire finalement du tueur ne va pas justifier ses crimes, on est d'accord, mais. Bah je trouve que le tueur, en fait, ce qu'il a vécu, ça, enfin, on arrive à comprendre en fait pourquoi il a vrillé dans sa tête, quelque part. Même si, encore une fois, ça n'excuse pas de tuer des personnes, mais en fait, on comprend un peu mieux pourquoi, il y a un moment donné, son cerveau, il a mis off, quoi. Et c'est vrai que c'est juste ça où je trouve que c'est moins. Je dirais que c'est moins glauque que les tomes précédents, et la fin, finalement, j'ai assez vite identifié qui était coupable de tout ça. Donc c'est juste ça où j'ai été un peu déçue. Après, ça reste quand même une lecture qui se lit, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop longuet, je me suis ennuyée, j'avais pas forcément envie de retourner à ma lecture, ce qui ne m'arrive jamais avec du Maxime Chatham. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier qui était 10 ans, Noces de sang de Alice Finet, donc faut savoir quand même que ces deux lectures, je les traîne depuis juillet, hein, c'est pour vous dire à quel point j'avais pas lu depuis un moment. Alors pour vous resituer, on suit Amélia et Adam. Ils sont mariés depuis 10 ans et Amélia, elle va gagner en fait avec son travail un voyage en Écosse dans une espèce de petite chapelle hein, qui fait office d'Airbnb un petit peu, voilà, ou en tout cas un logement insolite. Et elle se dit que c'est l'occasion qu'elle se retrouve avec son mari. Et qui se rapprochent parce qu'ils se sont un petit peu éloignés. Lui, il est écrivain, il passe son temps qu'à bosser. Et elle, elle bosse dans un foyer avec des animaux. Donc, elle gère les animaux abandonnés. Et ben, il se trouve qu'en fait, dans cette chapelle, il se passe plein de choses étranges. On leur a fait une déco quand même qui ressemble à leur chambre à coucher. Donc, déjà, on se dit, ils ont été observés, ou en tout cas, il y a un truc qui se passe, qui se trame derrière. Et en même temps, petit à petit. Il y a des coupures de courant, ils sentent un courant frais dans cette chapelle, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on découvre par la même occasion, en même temps que cette histoire, que Amélia, ça fait des années qu'elle écrit chaque année à l'anniversaire de leur mariage une lettre à son époux, mais qu'elle ne lui remet pas. Et on sent au fur et à mesure de ces lettres qu'il y a un petit peu de la haine envers son mari. On sent qu'il y a des choses qu'elle lui cache. Et on sent également qu'Adam cache certaines choses à sa femme. Donc on sent que le couple, en fait, n'est pas du tout honnête l'un envers l'autre. Et donc toute l'histoire va être sur qu'est-ce qui se cache tous les deux. Donc l'histoire de base est plutôt sympa. Après, néanmoins, elle n'est pas effrayante. Enfin, ceux qui ont par exemple peur des thrillers, allez-y pour celui-ci, c'est un thriller domestique. Il n'est pas du tout effrayant, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, c'est pas gore, quoi. Le point positif de cette histoire, même si j'ai pas aimé plus que ça, c'est un sans plus aussi, hein, pour vous dire, j'ai enchaîné deux lectures sans plus, c'est un peu pénible, c'est la fin, où il y a un énorme retournement de situation que l'autrice a mené de manière plutôt plus que bien. On sent qu'elle maîtrise le sujet, mais vraiment un retournement où j'ai rarement vu un retournement comme ça dans une histoire. Donc ça m'a laissé un peu sur les fesses, au point qu'on se refait du coup tout le livre avec cette révélation. Et on se dit, mais c'est un truc de malade en fait ce qu'elle a fait. C'est vraiment, vraiment bien trouvé. Donc c'est pour ça que je pouvais pas mettre moins, parce qu'en soi, j'ai pas aimé plus que ça l'histoire.
Mais je trouve par contre que cette fin est assez originale, même s'il y a des choses pour moi, ça reste du surréaliste ou ça serait pas crédible dans notre monde actuel. Je pense qu'il y a plein de choses où il y aurait les policiers, la gendarmerie qui se mêleraient de ça. Mais en tout cas, cette fin est assez surprenante. Donc voilà, c'est une lecture sans plus pour moi. Elle m'a pas transcendée, j'avais pas hâte de retourner dans cette histoire. Mais par contre, la fin est à souligner que elle envoie du pâté quand même. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5 aussi, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. On passe maintenant au film, donc j'en ai regardé pas mal. Alors le tout premier dont je voulais vous parler, c'est L'idée d'être avec toi, que j'ai regardé sur Prime Video avec Anne Hathaway, une actrice que j'aime énormément. Donc c'est une romance, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ce que j'ai bien aimé, c'est les acteurs et leur jeu, en fait, je trouvais que on y croyait à cette histoire, en fait, dans leur manière de jouer. L'histoire, je la trouve très jolie aussi, même si ça reste que, encore une fois, pour moi, la fin, elle est difficilement réaliste. Ça reste une romance, donc forcément, on veut un happy end, hein, mais la fin, elle est quand même vraiment surréaliste pour moi, j'y crois pas du tout. Mais l'histoire est mignonne, et franchement, bah, si vous cherchez une petite romance, un petit film sympathique, cette histoire est pas mal, et je pense c'est vrai que ça peut sensibiliser beaucoup de personnes sur les différences d'âge dans un couple. Parce que là, il y a clairement une grosse différence d'âge. Hein. Anne Hathaway, elle joue justement une maman d'une quarantaine d'années. Le jeune avec qui elle sort doit avoir une vingtaine d'années. Donc, tout de suite, elle est traitée de cougar, etc. Mais écoutez, on dit l'amour n'a pas d'âge. Donc voilà, cette histoire, en tout cas, veut en faire la preuve. Mais la fin, juste pour moi, est surréaliste. Mais sinon, le reste de l'histoire est plutôt sympa. Ensuite, alors, bah, grosse déception. J'ai regardé Vice Versa 2. Et il faut savoir que moi, le 1, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré Vice Versa 1. J'ai même re-regardé avant de regarder Vice Versa 2. Et le 2, j'en ai entendu que du bien parce que oui, on parle de l'adolescence de Riley avec de nouvelles émotions qui arrivent. Effectivement, à l'adolescence, on passe un cap, hein. Mais le seul truc positif que je peux dire sur cette suite, c'est les graphismes. Encore une fois, où c'est magnifique. Pixar, ils sont très doués, hein. C'est pas pour rien que moi, j'adore Toy Story. Donc les graphismes magnifiques, mais l'histoire, mais j'ai pas accroché du tout en fait. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le premier, déjà, dans un premier temps. Il y a un petit chemin qui se fait dans l'histoire qui ressemble quand même beaucoup au premier, où les protagonistes, les émotions, là, elles vont se balader dans le cerveau de Riley. Ça ressemble beaucoup au premier, donc je trouvais un peu dommage qu'il n'y avait pas un petit peu de changement ou nouveauté, enfin en tout cas j'ai trouvé que c'était très longuet. Vraiment l'action il y en a, mais elle est longue en fait. Je trouve qu'il y a des longueurs dans ce film au point que je me suis un peu ennuyée quoi. Il y a également des nouvelles émotions qui apparaissent liées à l'adolescence et je trouve qu'elles sont pas assez exploitées. L'émotion qui est la plus exploitée c'est anxiété. On a beaucoup d'autres émotions qui arrivent aussi, on a la honte, l'envie et on a l'ennui. Et ces émotions-là je trouve que dans le film elles sont complètement passées à côté, alors surtout le. Je crois que la pire, c'est surtout l'envie et puis la flemme, quoi. Enfin, ces deux émotions-là, j'ai trouvé qu'on les voyait pas assez et je trouvais ça vraiment dommage. Et on a l'impression qu'en fait, par palier, donc on est enfant, on a quatre émotions, on est ado, on en a quatre nouvelles. J'aurais aimé que par exemple, justement, bah là, il y en ait cinq ou six, quoi, parce que l'adolescence, ça part tellement dans tous les sens que je pense qu'on a plus que ça en émotions qui arrivent. Et c'est vrai que du coup pour moi c'est ça qui par exemple pour moi il y aurait dû avoir une émotion liée à l'amour parce que quand on est ado c'est là aussi où on vit en général nos premières histoires d'amour et là par exemple il n'y avait aucune émotion liée à l'amour et c'est pas, ça par exemple ça m'a surpris pour moi il y aurait dû avoir une émotion liée à ça donc voilà pour Vice Versa 2 du coup je lui ai mis 2 sur 5 ça me fait mal au cœur parce que vraiment c'est pourtant un Disney Pixar que j'adorais, mais je n'aime que le 1, donc je sais que maintenant, bah, je ne regarderai que le 1 quand je le regarde. Et puis bon, bah, s'il y en a un 3, je le regarderai par curiosité, mais j'irai pas le voir au cinéma parce que du coup, ça vaut pas le coup. Encore un autre film que j'ai regardé, cette fois-ci, on passe sur une comédie. Donc je vous dis, j'ai plus regardé de films que lu finalement. J'ai regardé un petit truc en plus, voilà, mes parents et ma sœur me l'ont recommandé. Donc c'est sur une histoire où on suit une colonie un peu de vacances. Mais qui est avec des personnes qui sont en situation de handicap. Et on a deux personnes, dont une qui va se faire passer pour une personne en situation de handicap, pour échapper à la police.
Et ils vont se retrouver du coup avec tous ces jeunes et adultes aussi, hein, qui se comportent un peu comme des enfants, en vacances pour se cacher. Alors, ce film, déjà, moi je trouve que le gros point positif, comme tout le monde l'a souligné et je rejoins entièrement, c'est que ça sensibilise le handicap. Donc ça, je trouve ça très bien. Plus d'une fois, on a des références sur les gens qui se garent sur les places handicapées. Comme l'a toujours dit mon grand-père, et ça c'est une phrase qu'on voit souvent sur des places de parking, prenez ma place, prenez mon handicap, parce que mon grand-père aurait donné n'importe quoi pour se garer sur des places normales. Et j'ai aimé aussi un passage dans le film où ils sont tous en train de faire les courses au supermarché, ils reniflent les melons et tout, et une personne commence à dire qu'il faut pas qu'ils touchent et tout, parce que voilà, ils sont handicapés, et donc... Bouh, c'est sale, limite ils vont les contaminer d'un virus comme si c'était qu'ils avaient une maladie mortelle. Et du coup, bah pareil, en fait, c'est eux qui en viennent à se moquer de ce monsieur dans son comportement parce qu'en fait, bah, ils font rien de mal, ils sentent juste un melon comme le monsieur peut le faire. Et je trouve ça très bien aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de regards des gens. Mais en tout cas, le point positif, des très bons acteurs, franchement. On sent vraiment que oui, il y a eu des scènes, ça a été du spontané, il n'y a pas de doute. Comme je disais, donc sensibilisation sur le handicap, il y a des moments drôles. Le moins, je dirais, c'est que pour moi, la partie où justement il y a deux personnes qui veulent échapper à la police et qui vont se cacher avec ce groupe-là, je trouve que c'est surréaliste. Et en fait, pour moi, il n'y avait pas besoin de ça pour faire une belle histoire. J'aurais plutôt préféré limite qu'une personne, je sais pas, par exemple, veut partir en vacances et se trompe de colonie et va dans une colonie de personnes en situation de handicap alors qu'elle l'est pas du tout et veut bah, du coup profiter des vacances et se fait passer pour une personne en situation de handicap. Mais là, c'est vrai que du coup, le coup de braquage, etc., ça l'a moins fait avec moi, ça m'a moins parlé en tout cas. Et j'avoue, je m'attendais à un peu plus de scènes comiques. Voilà, il y en a, hein, mais je m'attendais à vraiment avoir des fous rires. J'ai souri, j'ai pas forcément rigolé, mais par contre, j'ai quand même passé un bon moment avec ce film. En tout cas, je vous le recommande. Je sais que je le regarderai à nouveau. Et je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite, on passe sur un film d'horreur. Et oui, ça faisait un moment. J'ai regardé Trap, qui est avec l'acteur dans Pearl Harbor, un acteur que... En tout cas, dans Pearl Harbor, magnifique. Bon, là, il a pris un coup de vieux, mais ça reste un bel homme, on va pas se mentir. Alors, ce film était vraiment pas mal du tout. Déjà, bah, on a de très bons acteurs. Il y a un très bon jeu de rôle, j'ai trouvé. Franchement, j'ai même été surprise de cet acteur, parce que, bah, en général, dans les films, on le voit, voilà, film de guerre... Mais en espèce de tueur en série, jamais vu, et je trouve que ça lui va très bien. Il a vraiment la tête à l'emploi, parce qu'il y a des moments où il fait des sourires où on sent que c'est un fou furieux derrière, il y a un truc qui joue pas. Et il y a énormément de retournements de situation qu'on voit pas venir, au point que même avec mon mari, il y a des situations où on a dit non, mais il va pas faire ça, il va pas faire ça. Ou alors non, ça serait trop gros s'ils le font faire ça. Et en fait, bah si. Le réalisateur, il y va pleine balle. Et franchement, mais ça fonctionne du feu de Dieu. J'avais un peu peur de ce fait qu'il y a un huis clos où en fait on a donc un tueur en série qui va amener sa fille dans un concert, voir une chanteuse qu'elle adore. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce concert a été organisé pour le choper. Et il va devoir du coup s'échapper de ce concert sans se faire choper par, bah, par tout un attirail de gendarmes, de policiers, de voilà, l'armée carrément, enfin, parce que c'est un tueur vraiment très recherché. Mais franchement, l'histoire, elle est vraiment bien. Je dirais que ce qui manque, c'est ce qui a fait que ça n'a pas été non plus un film que j'ai adoré au point d'avoir eu un coup de cœur, c'est qu'il manque une partie sur comment, en fait, on aborde le fait de comment il est devenu ce tueur-là, enfin, on nous le fait sous-entendre, mais j'aurais aimé presque qu'on ait un flashback de qu'est-ce qu'il a vécu par le passé qui l'a conduit à devenir un tueur comme ça. Pour moi, il manquait cette partie-là. Et il y a quand même des scènes un peu surréalistes où on se dit que même nous, on pourrait essayer, on n'y arriverait pas, donc pourquoi lui, il y arrive? Voilà, il y a des scènes, c'est un peu gros. Néanmoins, très bon film. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc c'est pour vous dire que c'est un très bon film d'horreur. Et pour ceux, par exemple, qui sont pas friands de films d'horreur, alors je dis film d'horreur parce que c'est quand même un tueur en série, mais en soi, c'est peut-être même plus un thriller qu'un film d'horreur. Ils l'ont mis en catégorie horreur. Moi, je mettrais en catégorie thriller, suspense, parce que à aucun moment on voit vraiment du sang, à aucun moment on a de meurtre qu'on voit. Ça joue beaucoup sur la psychologie, et c'est pour ça qu'en tout cas, si vous voulez avoir un petit peu peur, enfin en tout cas vous poser des questions et être dans un suspense haletant, c'est un très bon film, et pour moi ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, on voit rien, on voit personne mourir, mais c'est un très bon film, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et enfin, le dernier visionnage que je voulais vous parler, donc c'est pas un film, mais franchement,
Ça mériterait de l'être. J'ai regardé un peu comme tout le monde Kaizen sur YouTube de Inoxtag, donc le youtubeur que je ne connais pas. Enfin, j'ai déjà vu sa tête passer, mais j'ai déjà entendu son nom. Mais c'est pas ma génération. Et du coup, bah, c'est vrai que je ne le connais pas, ce jeune. Mais j'ai entendu parler de son projet qui était de gravir l'Everest. Et pour ça, il s'est préparé pendant un an. Et quand son reportage, enfin son documentaire film, on va dire ça comme ça, est sorti sur sa chaîne YouTube, j'ai vu beaucoup de retours positifs et je me suis dit, moi je suis, enfin l'Everest c'est quand même, c'est une montagne qui me parle, pas dans le sens où je vais la faire parce que je suis pas suicidaire, mais j'ai regardé énormément de reportages dessus, de films, c'est ma mère depuis gamine qui me fait beaucoup voir des films sur l'Everest, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle, visuellement je reconnais bien la montagne, enfin voilà, l'Everest ça me parle, et je me suis dit j'ai bien envie de voir comment un jeune youtubeur comme lui, qui passe sa vie derrière ses écrans, se décide d'un coup à se dire je vais gravir cette montagne, où il y a quand même énormément de gens qui meurent et des professionnels et tout. Enfin, faut avoir quand même, comme on dit, des couilles, quoi. Hein. Le mec, il a pas peur, parce que moi, franchement, ça, non. Et je pense que même des très très bons alpinistes ne l'attendent pas, cette montagne. Donc, moi, c'est le fait en plus que oui, il y a des morts chaque année. Je me tenterai pas à ça. Enfin, j'ai trop peur, j'aurais trop peur de mourir. Donc, je me suis dit, je vais regarder son documentaire. Son documentaire qui dure 2h30, 3h, je crois. Je vais commencer. Je me suis dit, je vais voir si j'accroche ou pas. Déjà, dès le début, j'accroche parce que il nous parle quand même de la montagne, il nous parle de ses émotions, il nous partage énormément de choses, il explique comment c'est venu ce projet-là, et on sent que c'est mûrement réfléchi, que c'est pas juste et si je gravissais l'Everest juste pour me faire des vues et faire parler de moi. Non. En fait, on sent que c'est vraiment un projet où il a dit je vais sortir de ma zone de confort. Et pourquoi aussi je me dis que c'est pas que pour faire des vues, c'est que le mec, ça fait un an quand même qu'il s'est entraîné pour ça. Et on le suit pendant un an, tous ses entraînements, que ce soit physique, alimentaire. Il a gravi plein de montagnes avant de faire l'Everest, parce que moi je pensais vraiment qu'il passait de rien à l'Everest, et non. C'est là où on voit qu'il est quand même malin, il a quand même fait beaucoup d'escalade avant, de montagnes avant. D'ailleurs, il a fait la mer de glace, donc moi qui suis allée il n'y a pas longtemps, en début d'année, bah, ça m'a fait bizarre de me dire qu'il est venu par ici, par chez nous. Et c'est vrai que l'histoire, elle est bourrée d'humilité, de morale bienveillante, de sensibilisation, parce que, bah, comme on le sait, mais bon, voilà, beaucoup de personnes font l'Everest sans être formées, sont donc des débutants, et en étant débutants, mettent en danger la vie des autres et la vie des Sherpas, ceux qui sont les spécialistes de la montagne et qui accompagnent ces groupes. Et les Sherpas, quand on voit dans son documentaire, effectivement, il y en a, ils perdent leurs mains, leurs doigts, il y en a, ils meurent. Sauf qu'ils sont obligés de monter sur cette montagne dangereuse pour faire vivre leur famille, alors que d'autres c'est un loisir, eux c'est leur manière de gagner leur vie, quoi. Donc ça sensibilise, je trouve que son reportage est très bien. Lui-même reconnaît qu'il a trop passé de temps derrière les réseaux sociaux, derrière les écrans, etc. Et que oui, il n'y a pas de souci de vivre avec son temps, les réseaux c'est bien, mais que il faut aller voir ce qu'il y a dehors, faut vivre ses rêves. Et lui-même dit, et je trouve ça très bien, que. Bah, plein de personnes l'ont critiqué quand il a sorti cette idée de projet en disant c'est un gamin, il se prend pour qui, enfin voilà. Et justement, ça l'a motivé à se dire mais non, en fait, je vais pas les écouter. Si c'est mon rêve, pourquoi je pourrais pas le faire? Enfin, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas un spécialiste d'un domaine qu'on ne peut pas travailler pour et faire en sorte d'avoir les compétences minimum pour faire ce projet-là. Et je trouve, c'est pour ça que je trouve ça très bien, lui, c'est que il a travaillé pour se donner à fond et réussir. Et franchement, moi, il a réussi à me faire pleurer à la fin avec, bah, forcément, quand il réussit, parce qu'on va pas se mentir, il réussit. Il a réussi à me mettre les larmes aux yeux et beaucoup de messages aussi bienveillants de ses parents qui m'ont beaucoup ému. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un reportage que je vous recommande, même si, comme moi, vous ne connaissez pas ce mec. C'est très très bien monté. Franchement, chapeau à ceux qui ont fait son montage vidéo parce que. Visuellement, la qualité elle est dingue. D'ailleurs, c'est passé au cinéma. La qualité elle est ouf. Et moi, j'ai même envie de le revoir tellement j'ai trouvé que c'était magnifique. Et en fait, j'ai eu l'impression de vivre avec eux cette ascension de malade, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous recommande ce documentaire. Je le recommande surtout pour les jeunes. Inoxtag, je crois qu'il a 22 ans.
Donc c'est un genou, hein. Quand je vois que moi j'en ai 30, j'ai l'impression que c'est une toute autre époque. Ils sont loin, mes 22, mais je trouve que c'est important de sensibiliser les jeunes sur ce qu'il a fait en fait. De se dire, voilà, tu t'as un objectif, donne-toi les moyens de réaliser ton rêve, et voilà. Donc c'est la petite aparté d'un documentaire que j'ai regardé et que vraiment j'ai adoré. Je m'arrête là au niveau de cette vidéo qui je pense du coup sera un petit peu longue, je m'en excuse. En même temps, profitez parce que clairement là, nous comptons les jours du moment où la petite va arriver parce que clairement je suis à la fin. Je suis à 39 semaines d'aménorrhée et 2 jours, donc pour vous faire un topo. Ma fille est censée arriver d'ici grand max une semaine et 3 jours, quelque chose comme ça, en tout cas, on va dire 14 jours, quelque chose comme ça. Mais elle peut venir avant, elle peut venir là, maintenant, pendant que je vous parle. Donc c'est pour ça que il y a de fortes chances que ce soit le dernier vlog suivi lecture enceinte. Sachant que je vais reprendre quand même de me filmer quand je lis, mais je pense que la prochaine fois que je vous publierai une vidéo, j'aurai accouché. Pareil, vlog grossesse, vous n'en aurez pas d'autres tant que je n'ai pas accouché, puisque je compte vous en faire encore un sur le récit de mon accouchement pour vous donner mon retour. Et une autre vidéo aussi sur, mais ça sera bien plus tard, sur le postpartum et le retour sur bah, les achats qu'on a fait pour bébé, ce qui aura été utile ou non, pour quand même, vu que c'est le premier, vous donner mon ressenti. Et peut-être aussi sur... des choses que j'aurais dû prendre pour la valise maternité ou alors que j'ai pris qui m'ont servi à rien. En tout cas, voilà, je compte vous faire quand même un retour post-accouchement. Mais forcément, tant que la petite n'est pas là, il n'y aura rien. Et niveau vidéo, bah, à part si j'arrive à lire là avant qu'elle arrive, chose que je doute fort, vous n'aurez pas d'autres vlogs suivi lecture. Et je ne sais pas du coup quand je vous reverrai par ici. En tout cas, je compte quand même revenir. C'est juste, je ne sais pas comment, quand, la durée, la... périodicité de publication des vidéos parce que je n'ai jamais été maman donc je ne sais pas comment ça va se passer avec ma fille, mais en tout cas vous êtes sûr que je reviendrai à un moment donné vous donner des nouvelles, que ce soit parce que je reviens pour faire des vidéos, soit peut-être parce que je me dirais bah j'arrête pour un moment, je ne sais pas. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire pour me parler des lectures ou des films que j'ai pu aborder, ce que vous en avez pensé. Et sinon, comme toujours, à mettre un petit emoji en lien avec les lectures sucrées. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!